Bonjour et bienvenue dans cet épisode pilote de Vulgar Display of Puck. Mon but avec cette vidéo, et j'espère les suivantes, est de faire découvrir au plus grand nombre ce magnifique sport qu'est le hockey. Ses règles, ses références et ses traditions. Sur la glace, hein, le hockey. Parce qu'on m'a fait grandir sur un glaçon depuis que je tiens sur mes pattes arrière, mais il y en a d'autres qui le font sur des roulettes ou sur du gazon. On en reparlera peut-être, mais ça sera plus tard. Pour commencer rapidement, et si j'en crois Wikipédia, le hockey sur glace est un sport d'équipe, se jouant sur une patinoire spécialement aménagée. L'objectif de chaque équipe est de marquer des buts en envoyant un disque de caoutchouc vulcanisé, appelé rondelle ou palais, à l'intérieur du but adverse situé à une extrémité de la patinoire. Comme c'est un peu trop résumé à mon goût, reprenons ça par étapes. Le hockey est bien un sport d'équipe. Mais à combien? Comment? Avec quoi? De calme, j'y viens. Le hockey est donc un sport d'équipe. Équipe qui, sur le terrain, se compose de 5 joueurs de champ et un gardien. Plusieurs lignes de joueurs changent régulièrement, tout au long du match. Ces joueurs évoluent sur une patinoire, quand on entend spécialement aménagée, imagine pas forcément une arène ultra moderne avec des écrans géants et des tribunes qui rentrent 5 ou 10 000 places. Non, il faut simplement la glace la plus plate possible. Pour être plus précis, les patinoires internationales font 61 mètres par 30 et ont les coins arrondis pour éviter que le palais se bloque. On rajoute à ça quelques lignes pour faire joli et des balustrades pour éviter d'arrêter le jeu et d'aller chercher le palais toutes les 15 secondes. Un palais justement. Un palais c'est ça. Un palais ça porte plein de noms dans le milieu du hockey. Une rondelle, un disque, un puck. Il y en a même qui appellent ça un biscuit. C'est un bout de caoutchouc, noir, vulcanisé, d'une épaisseur d'un pouce par 3 pouces de diamètre. Ça fait 170 grammes et ça peut partir à 150 km/h sur les lancers frappés. Mais les styles de lancer, on y reviendra une prochaine fois. En parlant de lancer justement, on lance le palais avec une crosse ou un bâton dans une cage. Cette cage ou but, elle fait 1m80 de large par 1m20 de haut. Elle a des poteaux rouges et à la différence de plein de sports d'équipe, on peut passer derrière. Oui, la ligne de but n'est pas sur la limite du terrain, mais à 4 mètres de la limite. Donc même si on enlève le 1m20 de profondeur de but, on peut y faire passer un, voire plusieurs joueurs. Et on verra plus tard que plusieurs joueurs derrière une cage, c'est très, très amusant, notamment quand ils sont lancés à près de 60 km/h. Ah oui, parce que au-delà des normes, des règles, des détails, le hockey, c'est un sport rapide et technique. Un spectacle haletant où les phases de jeu suivent un rythme effréné, où les fracas des crosses frappant le palais couvrent le crissement de la glace sous les coups de patin, où les actions s'enchaînent à toute vitesse allant d'un bout à l'autre de la patinoire. C'est avant tout et surtout ça le hockey. C'est pas juste un tas de schémas compliqués avec plein de chiffres. C'est un sport passionnant, fait par des passionnés. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous le faire partager et de vous en parler. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la sur ton réseau social favori, mets un pouce vers le haut. Si t'as pas aimé, t'es déjà plus là, ou t'es un peu chelou de regarder des trucs qui te plaisent pas. Si tu veux rester informé de la suite des événements, abonne-toi, active la cloche pour recevoir les notifications et n'hésite pas à t'inscrire sur ma page Facebook. Et oublie pas, dans une patinoire comme ailleurs, donne-toi à fond, reste fair play, que ce soit dans les tribunes ou entre les plexis. Bonne glace à tous !